Il y a forcément un autre accès. Ouais, j'ai déjà vu l'autre accès, il est par là. Et vous n'aurez pas ma liberté de penser. C'est cela. Mais ils n'auront pas ma liberté tout court. Je vais être libre, moi. Oui, nous sommes libres, n'est-ce pas, Mia? Avec Mia, on va avoir notre liberté. Cela ne fait aucun doute. Faut vraiment passer par là. Je pense bien. Allez, c'est parti! Un peu de discrétion, ça fait pas de mal. Coucou les petits, comment ça va? Mia, elle est toute recouverte de neige. Ça va, j'espère que tu crains pas le froid. Allez, Nyx. Plus un bruit maintenant. On a une relique à trouver. Plus un bruit! Il est temps d'être aussi discrète que des ombres. Ok? Le bruit, c'est terminé. On peut passer par ici. Et je crois qu'on peut juste passer par ici. Ok. Un seul chemin possible. Let's go. Tu vois quelque chose? Bah ouais, il y a un mec déjà juste en face, c'est problématique. Il est tout seul? J'ai l'impression qu'il est tout seul. Allez, Nixie, attaque. S'il y en a d'autres, ils vont s'en apercevoir que lui il se fait taper dessus. Tire pas sur Mia, toi, espèce de monstre! Espèce de monstre! T'as pas le droit d'être ici! Voilà, bah, toi, t'as pas le droit de tirer sur Mia! Quitte à tout perdre, prenez. Mes gosses et la télé. Ma brosse à dents. Mon revolver, la voiture. Déjà fait avec les interdictions bancaires. Prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon. À découvert, je... Ah, mais c'est pas la musique, ma liberté de penser. Si, si, tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ibi. Ils connaissent les paroles par cœur. C'est... Ouais, ouais, c'est bien la chanson. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ça se pirate. On fait un petit peu le tour, hein. On n'est pas pressé. On essaye de faire ça bien. Proprement. Et aussi de voler autant de choses que cela est-il possible de voler. Bon, je crois qu'on n'a pas 36 solutions en vrai là. Y a même pas des trucs à voler. Laissez-moi voler des trucs. Honteux ça, non? Allez, un peu de piratage, on aime bien. On va y arriver. On va y arriver. Ouh, concentration. Un vrai jeu d'enfant. Ok, il y a des mecs par là. C'est sûrement ça. Lève tes antennes, Nixie. Ça risque d'être compliqué. Non, pas compliqué. Je veux pas, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vois? Elle bosse avec des touristes. Il y a quelqu'un? D'accord. Oh, ok, ouais, on a un peu du monde. Tu sens quelque chose, Nixie? Alors, toi, tu vas jusqu'où? Qui vient de mon côté en plus ou pas? Y a du monde, Nix. Mon instinct me dit qu'il y a autre chose ici. Non, il va là-bas derrière. Ah! Tu vois quelque chose? Je sais pas trop si je peux l'attaquer lui. Attaque, Nix. Sans que l'autre il s'en rende compte. Non, il s'en rend compte.
calmez-vous. Je préférerais qu'il n'y en ait qu'un des deux qui vienne. Oh, les deux. Ni vu ni connu. Il s'est rien passé. Qu'est-ce que tu vois? Ça a failli être un problème, mais c'est bon. Mia fonce. Nix, attaque. Ça a failli être problématique, mais c'est ok. Il s'est rien passé. Juste on récupère un petit peu du soin. Perfect. C'est bon, tout va bien. La situation est parfaitement sous contrôle. Qui c'est qui en doute? Tu vois quelqu'un? Personne. Bien ce que je pensais. Piratage. On fait ça vite et bien. J'avais pas le dernier. J'arrive pas à avoir le dernier! J'ai dit on fait ça vite et bien! Voilà! Tu sens quelque chose, Nixie? A priori, y'a personne là-dedans. On devrait avoir peur de moi. GG. Oh, merci pour les GG. Ok, on a un ordinateur ici. On a du loot! Je sais pas si je pirate l'ordinateur ici, le mec il va me voir en face. Tu vois quelque chose? Techniquement, il y a un mec qui peut complètement me voir en face. Ce qui peut potentiellement poser problème. Il y a quelqu'un? Moins il y a de méchants, mieux c'est pour éventuellement un foirage. Hein. Tu sens quelque chose, Nixie? Parce que lui, c'est sûr, il va revenir, là. Je le sens venir gros comme une maison, voilà, il revient. Et en vrai, le piratage, techniquement, il pourrait me voir, donc... Jouons la prudence. Soyons prudents, il est tout seul. Qu'est-ce que tu vois? On peut clairement s'en occuper sans aucun problème. On envoie Mia. Allez, Nixie. Hop, voilà. On tape le méchant. Et en plus, on récupère de la monnaie. Ça, je pense que ça conduit juste de l'autre côté. C'était potentiellement juste pour éviter le mec. Ok. Maintenant, on peut pirater ça en toute tranquillité, en toute quiétude. Voilà. Maintenant, on peut faire du piratage dans les règles de l'art. Ok, on en a un qui est mal placé. On a les trois. Il n'y en a aucun qui est bien placé, mais on a les trois. Donc, on va essayer de mettre celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ok. Donc, c'est celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc si je ne m'abuse, ça a dû ouvrir en dessous. Et en dessous, il y a beaucoup de monde. Ah, là, 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 là. Je vais peut-être essayer quand même de prendre le conduit. Je sais pas où est-ce que ça mène. Dans le doute, on va le prendre. Imaginez, ça mène en bas. Prenons le conduit. Imaginez, ça mène à une salle secrète. Non, ça mène juste en face. Hein. Ouais. Je m'en doutais un peu, mais voilà. On pouvait sauter aussi là. Qu'est-ce que tu vois?
Moi, je vois que ça va être le bordel en bas. Ouais, bah, je pense qu'avec les escaliers là, on peut descendre. Hein. Sacrée salle secrète. Eh, ouais. Incroyable la salle secrète. Il y a quelqu'un? Bah ouais, il y a plein de monde partout. Ça va être la merde là. Tu vois quelque chose? Très bien. Je vois qu'on est mal. Et en plus, c'est des droïdes. Merci pour le follow. Je vois pas qui c'est, mais des gros bisous à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue chez les petits chats, mangeurs de cookies. Tu sens quelque chose, Nixie? Je sens que ça va être très problématique. Voilà, moi, ce que je sens. Le droïde, je sais pas si je peux le one-shot. C'est un droïde, hein. Il y a des méchants. On a une faille. On était pas potes de toute façon. On était pas potes de toute façon. On attaque. On était pas potes de toute façon, on a dit. Le droïde, je le savais que ça allait être par la misère. Maintenant. Le droïde, je savais que ça allait être le problème. J'ai plus de soin, il y a toujours le droïde. Mia, elle peut rien faire contre le droïde. Le droïde est un problème. Le droïde n'est plus un problème. C'est bon, mission accomplie. Aucun problème. Tout va bien. C'était parfaitement prévu comme ça. Tout était parfaitement prévu comme ça. On va fouiller un petit peu la salle quand même, récupérer un peu tout ce qui pouvait être récupéré. Voilà. On va récupérer tout ça. Ah, ça c'est du piratage. Ok. Voilà, piratage, ok. Piratage, it's ok. Salle secrète? Salle secrète? Vraiment, non. Pas vraiment, pas vraiment. Non, ça c'était des armes éventuellement. Voilà, voilà, voilà. Bah, je crois que c'est good, hein. On a tout récupéré. J'ai dit, je peux pas le ramasser le machin. J'ai galéré pour l'avoir, hein. Donnez, c'est à moi. Ah, allez, sortons ce truc de là. Ouais. Techniquement, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui peut savoir que c'était moi. On est d'accord, non? Il n'y a pas de témoin. Tous les témoins sont morts. Personne ne peut savoir que c'était moi. Non, mais c'est juste la porte. Ok, ça va, moi j'ai vu un truc, je me suis dit, c'est important. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai plus de soins, par contre. Non, faut trouver un autre moyen de sortir. Ah. Faut trouver un autre moyen de sortir, bah écoute...
Ah, où est-ce que je peux sortir? Moi, je ne sais pas. Je peux pas utiliser un autre ordinateur, non, c'est sûr, certain. Pas de sortie par ici. Par où on peut sortir? Allez, où la sortie? Ça, ça ressemble pas trop à une sortie. Moi, je veux bien trouver une autre sortie, mais... faudrait déjà qu'il y en ait une d'une autre sortie. Trouver un autre moyen de sortir. Je suis pas venu par là. C'est une autre sortie. C'est par là qu'on sort. Je crois qu'on a déjà tué tout le monde en fait. Je crois qu'il devait y avoir des gens. Il y a des mecs qui sont venus depuis l'escalier, donc depuis je sais pas où, donc je pense qu'ils venaient d'ici. D'où un mec sur lequel j'ai récupéré la carte qui m'a permis d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Mix. C'est fini le cache-cache! Ah ouais, non mais ça c'était pas prévu les mecs! Mix, mets-toi à la porte. J'ai plus de vie! Ah merde! Attendez, j'ai plus de vie! Non, 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 mais vous venez d'où tous? Ouais! Ouais, je suis pas bien, je suis mal! Ouais, je suis morte. Faut pas les prévenir qu'il y avait tout ce monde derrière la porte, moi j'étais pas au courant. Il me fait le jeu. Bah. Oh non, c'est une blague. Et le jeu qu'a planté en plus. J'ai plus de vie en courant vers l'ennemi, complètement à découvert. Oui, mais il y avait des méchants aussi dans mon dos, c'est pour ça. Il y avait des méchants partout, en fait. Dites-moi qu'il y a eu save automatique, s'il vous plaît. Le jeu, il a planté, genre. Le jeu, ça plante pas sur PS5. Je meurs, le jeu, il plante. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est pas de ma faute si je suis morte? C'est peut-être à cause du plantage du jeu. Non? Ça, c'est pas gentil. C'est bien amusé, quand même. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Nix, attaque! À couvert, à couvert, à couvert! Ça, c'est pas cool ce qu'ils ont fait quand même. Cache-toi, Nix. Cache-toi, Nix, ça va très bien se passer. Ça va super bien se passer. Nix, blaster. Va chercher Nix. Où est Nix? Merci, Nix. Ça se présente mal. Oui, ça se présente mal, j'ai pas de vie. Nix, le blaster. Ouais, le blaster, il me sert un petit peu à rien, en fait. J'ai vraiment pas de vie. Y'a vraiment pas de la vie qui traîne quelque part. Arrêtez-la.
couvert. J'aime pas si je touche le mec en vrai. Ah, j'ai tout fait exploser, donc je suppose qu'il doit être mort. Ah ! Tout va bien. Tout va super méga bien. Techniquement, il en reste plus qu'un là, non ? Ça me tire plus dessus. La situation, elle est pourrie. Voilà qu'est-ce qu'elle est, la situation. Chut, calmez-vous. Je sais pas où sont les mecs. Là. Aïe! Attrape le bacta, Nixie! Ah, c'est du soin! Au travail, Nix! C'est bien, donne le soin! Merci! On sent vachement mieux avec de la vie! À couvert, à couvert! Sous les méchants! Vous êtes encore combien là, les mecs? Va chercher Mia. Va chercher, va chercher. Les soins, c'est la vie. Il y a une grenade derrière moi, tout va bien. Grenade, c'est moche, hein. C'est pas gentil d'envoyer des grenades comme ça. Nix, la boule explosive. Wow, 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 wow. Ça fait du bien. Aïe. Allez. Oh, il faut des renforts, il faut des renforts. Il n'y a pas besoin de renforts. Enfin, si, moi, j'aurais bien besoin de renforts, mais... Vas-y, Mia, attaque. C'est beau. Victoire de la Miku. Konnichiwa. Konnichiwa. Victoire de la Miku. Coucou, Jeff Tétier, comment ça va? Eh B, c'était compliqué, cette histoire. C'était vraiment compliqué, cette histoire. Il n'y aurait pas un peu plus de soins? J'ai besoin de soins. Bah, ça va difficilement. Ouais, du soin, je veux du soin. Faudrait que je pense à utiliser les grenades aussi de temps en temps. Hein, ça pourrait être pas mal. Non, le fusil, ça, on s'en fout. Je vais pas le poser. Ça, en vrai, c'est un truc qu'on s'en fout. Bah, ça va, ça s'est plutôt bien passé, non? Vous voyez, quand le jeu, il crache pas, tout va bien. Je gère. C'était totalement de la faute du crash du jeu. N'en doutez jamais. Piratage. Retour le dernier. Retour celui-là. Ah ! Hein ? Je vais pas y arriver. Mais... je crie sur ces trucs-là, c'est horrible. Il y a encore des méchants là-dedans ou comment ça se passe? Laissez-moi un petit peu vivre en paix. Là déjà, il y a du loot. Toi, le loot, on récupère, hein, merci.
Pourquoi on peut pas juste sortir par la porte? Pourquoi c'est toujours compliqué de sortir? Tu veux ça, Nix? Tu veux ça? Va chercher! Excellent! Attention, parce que maintenant je sais aussi qu'on peut faire comme ça avec Mia. S'il y a des trucs qu'elle peut récupérer, hein. Faut se méfier. Bon, on va y aller doucement, hein. Petit pas, petit pas. Essayons d'être aussi discrètes que des ombres. Essayons. C'est pas tout ce qu'il y a de plus garanti. Les conduits, c'est bien. Les conduits, j'aime bien. Les conduits, on sent en sécurité dedans. Ah, c'est la sortie! Victoire. ND5, j'ai le truc là, la relique. Le truc là. Je dois m'acquitter de ta méthode de récupération. Non. Mais non. Je la rapporte à la reine. Elle ne reçoit pas n'importe qui, Kay. Ne va pas te faire des idées. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Saphira. Attention! Non mais oh. Ah, retourner dans la zone de quête, j'ai pas le droit d'aller par là. Ah ça va, laisse-moi le temps de faire demi-tour! Calme-toi! Aïe aïe! Retourner dans la zone de quête. J'ai même pas le droit de fouiller, moi, il y a des trucs bizarres, je veux fouiller. J'ai même pas le droit. Honteux. Honteux, honteux, honteux. Fait pas chaud dans le coin? Ouais, fait un petit peu frisqué. Bah c'est pour ça que je voulais acheter, j'avais une jolie petite tenue hivernale là. Sauf que j'avais pas les sous pour l'acheter. Je suis trop pauvre. Du coup bah voilà. Du coup on a froid. Du coup on reste dans le froid. Je sais pas, Camilla. Je suis un peu rouillée. T'es la meilleure joueuse de ça. Param param. Bon, on va aller voir la reine. Qui va nous accorder ses bonnes grâces, techniquement. En théorie. Route de la reine. Oh yeah. Laissez passer, je suis Saphira, j'ai votre relique là que vous cherchez partout. Alors calmez-vous. À tous les coups, ça va me faire baisser ma réputation à... À... Comment ça s'appelle? À l'aube écarlate, cette histoire. Bien que techniquement, ils sont pas censés savoir que c'est moi, vu que tout le monde est mort. S'il n'y a pas de témoin. Quoi? Tu veux aller voir ce conduit, Nixie? Bah, écoute. Ah, oh, mais j'ai pas le droit! Vous m'embêtez! Mia, faudra qu'on y aille plus tard. On regardera ça plus tard. Ouais. Mia revient. On va d'abord rapporter son joujou à la reine et puis ensuite on s'occupera de ça. Voilà. On regarde hein, s'il n'y a pas des trucs à piller, s'il n'y a pas des gens qui ont laissé 2-3 trucs traîner, moi je récupère. L'avantage du froid comme ça, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. J'avoue. Sauf que, techniquement, je crois que c'est des abeilles, hein, donc... Bonjour! Reculez! Non! Attendez, écoutez-moi. J'ai trouvé votre relique volée, et je suis là pour la rendre à la reine. Le pan poudira. Donnez-le-moi. Le prenez pas mal, mais je voudrais lui remettre en personne. Moi qui lui remets. En mes propres. Vous pouvez passer. Ouais. Ouais, bien sûr que je passe. Il y a des trucs à voler chez vous. ND5, devine qu'il y a une audience avec la reine. Ils doivent carrément y tenir à leur relique. Beau travail. Je te conseille d'avoir peur. Hein? Pourquoi? Ils te prennent sûrement pour la voleuse. Ah, ça va aller. Ouais, je suis pas une voleuse, moi. Techniquement, je viens de le voler, mais
pas une voleuse. Sacrée sécurité. L'aube écarlate savait dans quoi elle s'engageait. Bonjour, je suis votre amie. Faites gaffe, hein. Je regarde quand même si vous n'avez pas des trucs que je pourrais voler. Parce que je ne suis pas une voleuse. Votre loyauté a été remarquée. Je verrouille ça tranquille au calme chez les devant le jeu. Je ne suis pas une voleuse. Miaou miaou Ayana, comment ça va? Il est dur votre verrou. Pas le dernier. Ah, il est super dur votre verrou, il y a quoi là-dedans les mecs? Miaou. Miaou, on voit que mes oreilles. Je vais pas te remettre correctement. Voilà. Vous croyez que je vais mieux y arriver en chat? Je suis pas sûre, hein, mais on peut tester. Non, j'y arrive pas mieux en chat, je vous assure. Yeah. Moi ça va, je galère avec ce verrou là, mais on va y arriver. Ça y est. Ouh. Tout ça pour 320 crédits. Vous vous moquez de moi? J'ai galéré comme jamais pour 320 crédits. Honteux. Nous faisons confiance à cette étrangère. Ouais, faites-moi confiance. Hé, hey, tout doux. Leban Poudira. Qui êtes-vous? Keyves. Votre Majesté. Elle posait des questions sur l'artificière. Mais j'ai aussi récupéré votre relique des mains de l'aube écarlate. Notre expansion nous a rendus vulnérables, mère. Cela rendra la ruche plus forte. Nul besoin de la porture extérieure, notre place est ici. Nous avons parlé. Ok, vous avez la relique. Vous voulez bien relâcher Ankh? Oh. L'artificière. Elle est un instrument essentiel à notre expansion. Mais la ruche pourrait tirer profit d'une voleuse telle que vous. Collaborons. Et nous libérons Ankh. Mère. Alors marché conclu. Cool. Je vais donc vous laisser discuter entre vous. Aucun problème. Et voilà, l'aube écarlate. L'aube écarlate, ça a baissé, forcément. Kay, je suis en train de faire l'inventaire du vaisseau et j'ai trouvé quelque chose d'utile. Viens me voir. D'accord. Mais j'avais une bonne réputation avec l'aube écarlate, moi. Les contacts de l'aube écarlate disent que tu n'es plus la bienvenue chez eux. Attends, t'as des contacts? Je veux les rencontrer, moi. Non. J'ai pas le droit de rencontrer ses contacts. T'as volé, mais fais confiance. Oui, tout le monde me fait confiance, moi. Enfin, non, plus l'aube écarlate maintenant, mais... on me fait confiance, moi. Et au moins, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que j'ai vraiment une bonne réputation avec eux maintenant? Ou non, je suis juste bonne. Aïe, aïe. J'ai des réputations pourries partout, c'est incroyable, personne ne m'aime. À part les abeilles. Triste. Elle est adéquate pour une étrangère. Du coup, on les laisse papoter, ok, mais encore. C'était où que Mia, elle avait vu un conduit?
On voulait les fouiller et qu'on nous a dit nope. Là maintenant on a le temps, non? On est censé faire quoi là maintenant en fait? On rentre à la maison? Attendez, c'était peut-être plus loin, non? C'était peut-être après eux, non? Ah non, j'ai plus loin de rentrer. Aucun étranger. J'ai plus le droit de rentrer! Bah bravo! Ah, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer, j'ai plus le droit de rentrer. Tristesse. Tristesse totale et complète. Ça, par contre... C'était là. C'était là que Mia voulait venir voir. Allons fouiller cette zone. Y'a quoi par ici? Y'a quoi à voler? En fait, c'est juste une autre partie de la ville, ça. Je pensais que c'était un endroit où il y avait plein de trucs à voler, mais en fait... Ouais, un petit peu quand même. Deux, trois trucs, là. Fan, ça fait plaisir. Mais sinon, c'est tout. Y'a rien d'autre ici, c'est nul. Bah, je crois. Je crois. Hein. Ça s'ouvre pas. Bah, Mia, il a un petit peu nul ton coin quand même. Un petit peu déçu. Désolé, Dixie, pas maintenant. Ou alors j'ai pas vu ce qu'il y avait vraiment à récupérer. Je sais pas, c'est possible aussi. Hop! Non, ça c'est pour s'asseoir, je veux pas m'asseoir. Moi je veux juste piller des trucs. Voilà, comme ça, c'est ok. On aime bien piller des trucs. Je suis pas une voleuse, bien sûr. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Par contre, il y avait des trucs qu'on voulait acheter. Et c'était où? Parce que maintenant, je suis plus la bienvenue avec l'aube écarlate. Mais c'était pas... Ça, c'est le réfectoire. Je crois que c'était ici, non? Je crois que c'était ici que je pouvais acheter la tenue et que j'avais pas la monnaie. Non, ça, celle, elle me file les contrats, elle. Tu cherches du travail? Ouais, bah écoute, on cherche toujours du travail. Risque élevé, vous n'avez droit qu'à une tentative. J'aime pas les quêtes où on a le droit qu'on a une seule tentative. Y'a que des quêtes où j'ai le droit qu'à une seule tentative. On verra plus tard. Au revoir. C'est pas ça que je cherchais, c'était pas ça du tout. C'était pas un marchand, ça? Non, c'est un contrebandier. Le marchand que je cherche, c'est peut-être plus celui-là, du coup. C'est bien un marchand. Tu veux tenter ta chance? Je sais pas, Konya. Je suis un peu rouillée. T'es la meilleure joueuse de sabac de nous tous. Tu m'as déjà pris un paquet de crédits. Ça doit pas être juste. Remise et gros contre les flambeurs de ce salon de jeu secret. Je peux même pas lui parler. Stop. Laisse-moi commercer avec cet homme. On avait un accord. Moi je m'en fous de votre accord. Je peux pas commercer avec cet homme. Ok. Rip. Rip. Il est occupé. Du coup, je vais pas retrouver en marchant, moi. Ça, c'est dommage. Ça, c'est fortement dommage. Il y a peut-être celui-là, hein. On va peut-être tous le faire. Finira bien par retrouver le bon. Bah ouais, moi, je voulais la tenue pour la neige, là. En vrai, je sais pas si elle est bien, mais... C'était pas toi. Bonjour.
Mais tu vends des trucs. Augmente la capacité de transport de fioles. Ah, ça, c'est plutôt cool. Réduit les dégâts infligés par les blasters et les armes à projectiles. Ça, c'est pas mal aussi. Réduit grandement les dégâts explosifs subis pour de roulades, de glissades ou de position accroupie. Du coup, je pense que je vais en prendre une comme ça. C'est 1750 et celui-là qui est le même, c'est juste 700. Pourquoi celui-là est beaucoup moins cher que l'autre ? Parce que celui-là, si j'ai le 7 complet, ça régène ma vie. Ah, mais le 7 complet, il coûte cher. 1000 pour la veste. Oh, je pense qu'on va se prendre le 7 complet. Voilà. Comme ça, on va avoir une toute nouvelle tenue. Et comme ça, je n'ai vraiment plus le. J'ai à plus tard. Voilà, j'ai plus de monnaie. Du coup, pour la quête, il faut que je retourne au. Au spatioport. Donc, c'est parfait parce que comme ça, je vais me changer. Voilà, on fait une pierre de coup. Donc, d'abord, on se change. C'est où que se change ? Il y a quelques objets qui t'attendent, Kay. Ouais, d'accord. Des objets qui m'attendent, genre tu me fais les courses. Ça c'est cool. C'est quoi ça? ND5, c'est quoi ça? C'est quoi? Un tracker holo. Il appartenait à Jack Cordo, l'ancien propriétaire du Trailblazer. Je croyais que le Trailblazer appartenait à Sliro. Il n'est pas la première à voler ce vaisseau, Kay. Là, il y a un holodisque à l'intérieur. Regarde. Bonjour, ici Jack Cordo. L'heure est venue d'accomplir ce boulot, mais tout d'abord, quelques précautions. Cette chose que vous tenez est un tracker holo. Les membres de la Ligue commerciale, comme moi, les utilisent pour trouver des chambres fortes stockant de la contrebande. Mais j'ai retiré quelques chambres du système. Personne ne les trouvera, à part nous. Ne perdez pas ce tracker holo et les disques. Personne d'autre ne doit trouver ces chambres fortes et voler notre butin. Ainsi ai-je parlé. Pourquoi il s'est éteint? On dirait que l'holodisque est lié à Toshara. Tu vas devoir retourner là-bas pour réactiver l'appareil. Il te mènera à la chambre forte de Jet. D'accord. Pas compliqué. On va voir ce qu'a laissé Jet derrière lui. Ok. J'ai 30 millions de quêtes.